L'ouverture du Utsav India Mauritius Shopping Carnival au SVICC à Paille ce mercredi était la première fonction officielle du ministre d'État des Affaires extérieures et des Affaires parlementaires de l'Inde. Des salons commerciaux comme celui-ci d'Ira Vemmuliedharan constituent d'excellentes plateformes pour présenter une large gamme de produits qui pourraient conduire à des investissements conjoints. Soulignant les liens spéciaux qui lient nos deux pays, le ministre indien de faire part de sa fierté quant à la contribution de la communauté indienne, les Gilmitias, dans la transformation de Maurice. It's a matter of immense pride. C'est une immense fierté que la communauté indienne, les Gilmitias, ait contribué à transformer Maurice et qu'elle soit aujourd'hui à la tête dans tous les domaines du pays. L'Inde est l'un des principaux partenaires commerciaux de Maurice et Maurice, quant à elle, est l'une des principales sources d'investissement étranger direct de l'Inde. Le premier accord commercial préférentiel de l'Inde, SECPA, avec un pays africain est celui avec Maurice. Ce salon commercial marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Maurice et l'Inde. Cette vidéo, présentée par la Haute Commission indienne à Maurice, a retracé les temps forts des différentes collaborations dans divers domaines entre notre pays et la Grande Péninsule. Le ministre mauricien des Affaires étrangères, Manish Gobind, dira lui que l'invitation de Maurice par l'Inde lors de sa présidence du G20 est un témoignage fort des liens bilatéraux exceptionnels qui existent entre nos deux pays et nos chefs de gouvernement respectifs. La cérémonie officielle a pris fin avec un programme très coloré qui démontre la diversité culturelle de nos pays. Sachez que le Utsav India Mauritius Shopping Carnival se tiendra jusqu'au 5 novembre prochain au centre Swami Vivekananda à Paille.